I went to sleep and I woke up dead, but I changed my mind and I want to live. I went to sleep and I woke up dead. What? Tout le monde, c'est Christo et aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News à propos de la nouvelle PlayStation 4. Attention, en ce moment c'est un peu mouvementé quand même, c'est-à-dire que t'as Sony et t'as Microsoft qui font un peu leur... voilà, c'est le gros combat entre ces deux grosses boîtes. C'est-à-dire parce que t'as Sony là qui ont proposé eh bien la PlayStation 4 Pro, qui est on va dire une amélioration de la PlayStation 4 et non vraiment une nouvelle console, sinon ils l'auraient appelé PlayStation 5 tout court, mais c'est pas le cas, donc c'est une version améliorée de la PlayStation 4, parce qu'à côté on a Microsoft qui ont fait le projet Scorpio, je crois, de tête comme ça, qui est une console apparemment qui va être très très puissante, qui sera bien plus puissante que la PlayStation 4 Pro. Parce que ici on compare un peu la PlayStation 4 Pro à la Xbox One en disant qu'elle est plus puissante, ce qui est le cas, mais que dans l'avenir, eh bien, si le projet Scorpio en fait sort du côté d'Xbox, eh bien, elle sera beaucoup plus puissante que la PlayStation 4 Pro. Enfin, je sais pas si vous me suivez un peu, moi honnêtement, je suis un peu plus du côté de Sony, mais qu'il faut avouer, quand il faut assumer, que dans quelques années, ce petit projet Scorpio, ça risque de faire assez mal aux popotins. Je vais vous donner quand même les caractéristiques de la console, le prix, date de sortie aussi de la PlayStation 4 Pro, c'est-à-dire qu'un support des écrans 4K et de l'HDR, bien que celle-ci ne disposera que d'un lecteur Blu-ray basique et non Blu-ray 4K. C'est relativement dommage de pouvoir jouer à des jeux et tout en 4K et malheureusement de ne pas avoir un lecteur Blu-ray 4K. Après ça coûte assez cher, il y aura juste un lecteur Blu-ray, mais bon, voilà, ça passe. Pour permettre de proposer donc des graphismes au-dessus de la première version, la PS4 Pro est équipée donc de 8Go de RAM, d'un processeur graphique Polaris donc de chez AMD et d'un GPU en fait délivrant pas moins de 4,2 teraflops, soit largement plus que la Xbox One actuelle et la PS4 standard. Voilà, heureusement d'ailleurs qu'elle est plus puissante que la PS4, sinon ça vaut pas le coup d'acheter cette PS4 Pro. Et elle est plus puissante que la Xbox One, mais comme je vous l'ai dit juste avant, voilà, petite parenthèse, je pense que c'est bien aussi de faire la part des choses et que de dire bah, que forcément que Microsoft, ils vont prévoir aussi quelque chose de très très puissant et certainement plus puissant que cette fameuse PS4 Pro. On a aussi donc un disque dur de 1 Tera avec 3 ports USB 3.1 et une sortie aussi optique, contrairement à la PS4 Slim qui ne proposait pas ça. Voilà. La console fait 3,3 kg, on s'en fout un peu, moi honnêtement le poids, je m'amuse pas à porter ma console tous les jours. Et la chose importante c'est qu'il sera disponible donc le 10 novembre 2016 et le prix sera de 399€, 399€. Moi je trouve que là ça devient assez intéressant parce que lorsque la PS4 est sortie c'était très cher pour ce que c'était et voilà, il y avait pas mal de petites faiblesses on va dire. Maintenant on se retrouve dans une console moins chère avec un peu plus de choses, donc même moi honnêtement qui n'ai même pas la PS4 parce que je trouve que après ça fait cher parce qu'il faut acheter une autre manette, faut acheter des jeux, faut acheter des trucs comme ça. Ouais, j'ai réfléchi, je me suis dit, j'en suis sûr de toute façon qu'un jour ils vont proposer une PS4 améliorée avec plus de choses. Parce que moi, acheter une console à 500€ avec 500Go de disque dur, franchement, ça me fait mal aux fesses. Donc, c'est pour ça que j'ai préféré. Et là, quand je vois ça, là, je trouve que c'est un bon prix à 400€. T'as un lecteur Blu-ray, t'as la possibilité de jouer à la console et tout, etc. Donc, non, franchement, là, c'est bien. Franchement, c'est cool, c'est sympa. Mais certainement, dans quelques années, eh bien, cette console ne fera plus vraiment l'affaire parce qu'on s'attendra encore à d'autres claques graphiques. Tout pour aujourd'hui. Merci de mettre un petit j'aime à la vidéo. Ça fait super plaisir de me suivre sur ma page Facebook personnelle. Aussi sur mon Insta, sur mon Snap, everybody, everywhere, suis-moi partout, fais ce que tu veux. Et voilà, et puis n'oublions pas aussi que Microsoft a ce fameux projet Scorpio qui aussi risque de faire très mal, même si, comme je vous l'ai dit, je suis un peu plus de Sony, mais que c'est bien aussi de montrer que Microsoft, ils font aussi des choses très intéressantes, même si moi je suis un peu plus du côté de Sony, bah c'est pas grave, parce que voilà, là, Microsoft, ça a fait du lourd et je risque d'en vous en parler. D'ici très peu de temps, merci encore pour tout, puis je vous dis à la prochaine, ciao ciao, peace out.